Salut Charlotte, c'est Mathieu Diago, j'espère que tu vas bien. Et je sais que chez Mazars, vous avez des grosses problématiques sur des recrutements de profils pénuriques et notamment sur des experts comptables. Est-ce que tu aurais 2 minutes pour m'en parler, s'il te plaît? Salut Mathieu, avec plaisir pour partager mon expérience. En effet, chez Mazars, on recrute des experts comptables. Des experts comptables sur des sujets, en effet, de clients internationaux, des TPE. On recrute aussi des comptables qui sont plus sur des sujets de production. On recrute aussi des gens qui sont des experts en consolidation ou sur les sujets de paye. Face à ces recrutements qui sont quand même assez volumiques, on était confrontés à plusieurs choses. Le premier constat, c'est qu'on était sur des métiers qui sont peu attractifs, ou de moins en moins attractifs, en tout cas avec le temps, avec une image qui est parfois un petit peu poussiéreuse, de ce type de métier. Le deuxième constat auquel on a été confronté, c'est que on avait tendance à, en effet, rechercher des profils, soit qui avaient un niveau de diplôme bac plus 2 avec beaucoup d'expérience qui allait intervenir sur des sujets de comptabilité et de production, soit des gens très expérimentés avec un niveau bac plus 5. Ces profils-là étaient de plus en plus rares à trouver sur le marché, et qui dit rare, je pense que vous le savez, dit cher également, et donc on avait un enjeu de rémunération fort. Et enfin, le dernier constat, c'était que les profils qu'on rencontrait étaient de moins en moins adaptés à nos besoins et à l'évolution du métier, notamment sur les sujets un peu IT, digitalisation, mais aussi sur les sujets de soft skills, puisque un expert comptable aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va conseiller son client, l'accompagner des problématiques spécifiques. Oui, j'imagine. Dans le milieu de l'audit, ça doit être compliqué. Et du coup, c'est quoi la bonne méthode? Alors comment on a fait? La première chose qu'on a fait, c'est brainstormer un petit peu, aussi bien à la fois avec l'équipe RH, avec l'équipe com, mais aussi avec les opérationnels du métier, tout niveau confondu d'expérience, pour savoir quelle est notre proposition de valeur. Pourquoi on aurait envie de rejoindre Mazars particulièrement sur le marché et non pas un autre cabinet concurrent ou un corporate? Et pourquoi on aurait envie de rejoindre du coup le métier d'expert comptable? C'est quoi les grands enjeux de demain et ce vers quoi le métier tend. La deuxième chose qu'on a faite en parallèle, c'est on a fait une petite étude de la rémunération sur le secteur pour voir un petit peu comment nous on se positionne par rapport à nos confrères en cabinet, mais aussi au corporate, pour savoir un petit peu quel était le positionnement à adopter. Face à ça, on a été assez vite dans la mise en œuvre et dans l'action, puisqu'il fallait être assez réactif. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé nos canaux de communication. On a fait un gros coup de projecteur pendant un peu plus d'un mois, en mettant en avant nos différentes expertises en consolidation, en paye, en expertise comptable internationale, etc. L'idée, c'était de faire découvrir via le témoignage de collaborateurs, mais aussi des use case clients, en quoi consistait le métier, quel était le quotidien des experts comptables, mais aussi d'avoir des témoignages un peu plus sur la vie chez Mazars, et justement quelle est notre proposition de valeur, la fameuse proposition de valeur dont on avait parlé précédemment et qu'on avait travaillé ensemble. La deuxième chose qu'on a utilisée en termes de canaux de communication, c'est bien sûr LinkedIn, où on a fait un sponsoring très fort de nos posts sur LinkedIn. On a aussi, en bonne pratique, on a aussi un petit peu revu la manière dont on pensait le recrutement. En effet, dans une structure cabinet, on a une structure qui est plutôt pyramidale. Donc l'idée, c'était de renforcer au maximum le recrutement des stagiaires alternants et jeunes diplômés. On a surtout maximisé nos recrutements d'alternants, puisque c'est un vrai investissement sur 2 ans, avec à l'issue des 2 ans d'alternance, un vrai positionnement de junior expérimenté sur nos dossiers. Et puis des juniors, des jeunes diplômés qui arrivent conformes et qu'on ne fait avancer bien sûr dans notre pyramide d'évolution et qui nous amène à avoir des profils expérimentés, riches et avec une vraie expertise. On a aussi bien évidemment un peu revu nos grilles salaires pour pouvoir nous adapter au marché et être en effet sur une proposition pour les candidats qui correspondaient et à leurs prétentions et au positionnement marché. Et est-ce que vous avez mis en place encore d'autres choses pour vous adapter? On a eu 2 initiatives qui étaient peut-être un peu plus originales et que j'ai envie de vous partager. La première, c'est dans le contexte qu'on vit aujourd'hui de crise sanitaire, on a bien vu que le télétravail était quelque chose qui était assez facilement duplicable sur les métiers de l'expertise comptable. Alors oui, de temps en temps, il faudra aller voir son client, etc. Mais c'est un métier qui
qui se fait facilement à distance. Du coup, on a décidé d'ouvrir nos champs et au lieu de rechercher des profils uniquement sur le bassin parisien, de s'ouvrir à toute la France et d'aller chercher des talents qui ont envie de faire de l'expertise comptable en cabinet et d'accompagner des clients où qu'ils soient basés en France. Donc ça, c'est une première initiative qu'on est en train de mettre en œuvre. La deuxième initiative, c'est on a fait des partenariats avec des formations comptables où on les a aidés à la construction d'un parcours pédagogique spécifique qui correspondait à ce qui est attendu d'un candidat en expertise comptable demain, à la fois sur les sujets, bien sûr, de comptabilité, de normes, etc., mais aussi et surtout sur les sujets de digitalisation et les fameuses soft skills dont on parlait tout à l'heure. Ce qui nous a permis, avec plusieurs formations, d'avoir des profils qui venaient chez nous en stage, en alternance et, fort de ce succès également, en jeunes diplômés à l'issue de cette formation, avec des profils qui sont totalement adaptés à ce qu'on recherche et à ce qu'on voulait. Je vous partagerai les résultats un peu plus tard sur la partie région et ouverture, en effet, sur le territoire. Mais c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre et quelques coups à vous partager aujourd'hui. Merci Charlotte, à bientôt.